Bon, excusez-moi. Donc, je voulais remercier le docteur Goldacker de m'avoir invité à ce colloque. Et je vais vous faire un aveu. Contrairement à toutes les personnes qui sont passées avant moi, je ne suis pas du tout spécialiste du syndrome KBG. J'ai vu le premier enfant la semaine dernière, donc je n'ai pas une grande expérience. Peut-être qu'au cours de mes longues années d'exercice, je suis passé à côté de syndrome KBG. Mais voilà, je voulais vous le dire en préambule. Je suis quand même membre du Centre de compétences des enfants porteurs de fente faciale et malformatifs depuis quelques années. J'ai suivi l'enseignement du professeur Delaire, qui était un Nantais, qui a beaucoup travaillé sur les syndromes malformatifs et crânio-faciaux. Donc je suis orthodontiste, voilà. Et la suite... Voilà, donc les signes dentaires... J'en ai trouvé 3, 4, la macrodontie, le retard d'évolution, les dysplasies d'émail et les agénésies ou oligoncies. La macrodontie, donc, c'est une anomalie constituée par un volume excessif des dents. Ce sont des grosses dents qui ont du mal des fois à évoluer parce que le maxillaire, lui, est de taille normale. La macrodontie, elle est généralisée à toutes les dents ou seulement localisée. Et je crois que dans les syndromes KBG, c'est surtout les incisives centrales supérieures qui sont atteintes. J'avais trouvé 75%, j'ai lu tout à l'heure que c'est 95% des cas où la macrodontie était retrouvée chez ces enfants-là. Donc une macrodontie, c'est quoi? C'est une dent qui est plus large que la normale. Donc l'incisive centrale droite est un peu plus large que celle de gauche. Vu interne, on peut bien comparer la taille de ces deux incisives. On est amené à faire des examens complémentaires, donc des radiographies, des téléradiographies panoramiques, des radios de profil, et aussi ce qu'on appelle des cones BIM, qui permettent de bien visualiser la forme des racines, leur dimension, savoir si les germes sont jumelés ou s'il n'y a qu'une ou deux racines. Donc c'est des examens qui sont peu irradiants, il n'y a pas de problème. On peut trouver des macrodonties au niveau d'une incisive inférieure, donc ce n'est pas toujours les dents du haut qui sont touchées. Je vous ai mis la radio de cette incisive inférieure. On a aussi des cas de macrodonties, alors on n'a qu'une seule incisive qui est anormalement large et qui est centrale. Donc en fait, au niveau des dents, on trouve toutes les anomalies qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est la radiographie panoramique qui permet de compter les dents, de voir leur forme, leur dimension. C'est un examen indispensable. Un autre exemple de macrodontie, donc un enfant de 8 ans qui avait une incisive centrale supérieure gauche très large. Le retard d'évolution... Donc c'est quand vous avez un enfant de 8 ans, 9 ans, à qui il manque des dents définitives, une dent est sortie et pas l'autre, là on peut commencer à s'inquiéter et demander à faire une radiographie panoramique pour voir où est placée l'incisive centrale et sa taille. Une autre anomalie que l'on rencontre, c'est la dysplasie d'émail. Donc c'est une anomalie de forme, d'émail, surtout sur les molaires ou les incisives. La cause de cette dysplasie, c'est maladie infectieuse, carence de calcium et maladie congénitale. Donc on a anomalie de forme et des dents. Donc les dents qui peuvent être un petit peu jaunâtres, qui sont tachées. Donc incisive centrale et molaire. Voilà, une molaire qui est atteinte. Alors ça peut être uniquement sur les dents de lait. Là c'est une dent définitive. Ce sont des dents qui sont plus fragiles et qu'il faut préserver. Une autre, voilà d'autres petites anomalies de forme au niveau des dents lactéales. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut brosser les dents si dans la mesure du possible, au moins une fois par jour. Il y a un contrôle chez le chirurgien dentiste. Il existe maintenant des vernis fluorés qui permettent de protéger les dents. Voilà un résultat, quand on a des dents atteintes, on peut réaliser des facettes, des maquillages. Alors pas à l'âge de vos enfants, mais à l'âge adulte, c'est tout à fait possible de maquiller les dents.
ou de réaliser une couronne quand l'atteinte est trop importante. Donc là, on dit faire une couronne chez un enfant qui était jeune. On a vu qu'il y avait aussi des agénésies, donc des absences de dents, qui peuvent être soit au niveau des dents permanentes, soit au niveau des dents lactéales. Donc là, je vous ai mis la radiographie d'un enfant à qui il manquait un certain nombre de dents au niveau des prémolaires. C'est ce qu'on appelle l'oligodontie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vos enfants en orthodontie, en dentisterie ou en prothèse? Alors, en orthodontie, on va essayer de gagner de la place. C'est-à-dire qu'on a des dents qui sont un petit peu larges, des maxillaires qui sont normaux. On peut tricher un petit peu avec des appareils qui vont faire de l'expansion. Donc, ça peut être un appareil comme ça, un disjoncteur, qui permet d'ouvrir la suture interpalatine. Et on va, comme ça, pouvoir gagner 1 ou 2 mm plus pour placer les dents. Voilà, donc on voit que l'espace qui a été créé entre les deux incisives centrales, et ça va nous permettre d'aligner les incisives supérieures. Donc, ce sont des appareillages qui sont fixes, qui ne sont pas douloureux, qui sont un peu encombrants, mais qui ne sont pas douloureux. Alors, vous savez que les orthodontistes, ils ont un panel d'appareillages en tout sens, de tout genre, donc ils sont variés, mais on essaye d'être le plus efficace possible. Alors les possibilités en prothèse, donc à l'âge adulte, par exemple quand on a des enfants à qui il manque des dents, on peut très bien remplacer ces dents-là par un système de bridge collé qui est fixé à l'intérieur des dents et qui permet de remplacer, donc je vous ai montré l'incisive latérale qui a été remplacée comme ça par un système de bridge collé, c'est tout à fait élégant. Si par malheur un enfant perd ses incisives centrales, et c'était le cas de celui-ci, alors, au lieu de lui mettre un bridge, on a préféré de rapprocher un peu les deux incisives latérales. Donc ça c'était avant le traitement, et on lui a rapproché des incisives latérales pour maquiller un petit peu. Et finalement, il s'en sort mieux que si on avait remplacé les dents manquantes. Voilà, j'ai été assez bref, mais je vous dis, j'ai pas une grande expérience de vos enfants, je suis prêt à répondre à vos questions. Jusqu'à 6 ans, normalement, les dents poussent normalement. Enfin, oui. Et c'est qu'au moment de l'arrivée des incisives centrales, donc ces incisives qui sont plus larges que la normale, où on va être confronté à des problèmes de retard d'évolution ou d'anomalie de position. Donc vers 6-7 ans, on peut faire un cliché panoramique et à ce moment-là, oui, ou juste après, si elles tombent. Mais des fois, si les dents de lait ne tombent pas à 8 ans, par exemple, il faut s'en inquiéter et faire une radio. Est-ce que vous avez une méthode particulière aussi pour soigner vos enfants? Alors, non, je n'ai pas de méthode. Je pense qu'il faut surtout ne pas être agressif. Enfin, ne pas être agressif, et puis il y a des enfants qui supportent des contraintes, d'autres qui ne les supportent pas, donc je n'ai pas d'appareil particulier, mais bon, quand je soigne des enfants qui ont des fentes palatines, ça se passe plutôt bien, enfin, il n'y a pas de difficulté. Non, parce que j'ai déjà eu comme retour, il faut aller voir un dentiste spécialisé dans le cadre de filles. Oui. Alors, je discutais tout à l'heure avec le professeur Philippe qui disait qu'à Marseille, il existe un organisme qui s'appelle Antident. Bon, chez nous, en Normandie, on n'a pas encore la chance d'avoir cet Antident parce que c'est une association de dentistes qui sont spécialisés dans les enfants porteurs de handicap. Mais Antident. Mais ça existe à Lyon, dans le Nord, je ne sais pas d'où vous venez, mais... Très bien. Voilà. Et voilà. Mais en Normandie, on essaye de mettre en place, on va y arriver, mais ça prend du temps. Merci. Vous avez fait aussi à Toulouse. À Toulouse, la faculté dentaire de Toulouse, voilà. Et à la Pointe pour ça, parce que vous avez...
Alors, c'est laquelle j'ai coupé les yeux, les oreilles, les dents. Ouais. Mais la Normandie est une rare région où il n'y a pas de faculté dentaire, donc on est obligé de compenser. Oui, ils ont fait 4 couronnes déjà, notre fille. Ils mettent du vernis tous les 6 mois pour la lamillage. Et ils ont extrait déjà 5 dents. Et voilà, vous l'avez expliqué. Le seul souci, elle ne fait plus boire ni manger, en fait. Oui. Ses dents, c'est plein de chouchouards, de boire et de manger, ce qui nous va amener à la faculté dentaire. Et c'est le fait d'arriver à maintenir les dents pour avoir cette. Comme elle a plus d'émail dessus, ça s'abîme. Oui, et puis c'est douloureux. Enfin, je suppose que c'est douloureux. Donc, alors, c'est donc ça va être dur, je pense, de les garder pour avoir cette pose de protection, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, de vernis. Non, non, pas le vernis, le définitif à la jeune. Ah, les facettes ou des choses comme ça. Parce qu'elle s'effrite en fait. Voilà, elle s'effrite avant. Le fait de manger, l'accessibilité, de l'acidité, du chaud, du froid, voilà. Alors, je vais insister, pas de boissons sucrées, pas de bonbons le soir. Enfin, vous connaissez, hein, vous êtes. Pas de bonbons, oui. Le moins possible. Ma question reprend un peu celle de Bernard. Quelle est la solution pour qu'ils arrivent à supporter dans la bouche les vagues? Parce que je pense qu'ils ont une hypersensibilité, nos enfants, pour le syndrome KBG. Et on est allé mercredi, les 5 vagues du bas, le soir même, étaient enlevées. Ils les arrachent, quoi. Notre volonté, vous nous disiez, je lui disais, si vous avez des questions, si vous avez des solutions aussi à nous proposer. Je pense que, non, je n'ai pas de solution miracle, mais il faut y aller très progressivement. Au lieu de poser 4 bacs, il faut peut-être en poser qu'une à la fois. C'est une question de temps, parce que je sais qu'ils sont hypersensibles. Est-ce qu'il y a eu un plan de réalité? Parce qu'en fait. Dans le cadre du syndrome KBG, dans le cadre d'un certain nombre de syndromes neurodéveloppementaux, il y a ce qu'on appelle la dysorialité, c'est une sensorialité particulière au niveau de la bouche, mais aussi au niveau d'autres sens, qui peut être travaillée donc, par une désensibilisation avec des orthophonistes. Voilà. Il y a des orthophonistes qui sont spécialisés là-dedans, donc éventuellement ça peut permettre d'aborder, ça veut dire que forcément supporter les bagues. Oui, plus que on travaille aussi avec les tissus, les pratiques co-faciales, en fait. Ça peut être une piste. Merci. Excusez-moi, à partir de quel âge du vernis fluoré? Aussi, sur les dents définitives, à partir de 7-8 ans, oui. Sur les dents définitives? Oui, oui. Et sur les, sinon, quand il y a des sillons qui sont anfractueux, on peut mettre des résines maintenant. Ça marche pas sur les dents de lait? Ça peut marcher sur les vendées. Voilà, merci. Merci. J'ai juste oublié de vous parler des végétations dans l'insuffisance vélaire, donc pas de d'invasion des végétations, surtout hein, en cas d'insuffisance vélaire, parce que ça peut l'aggraver. Voilà, donc si quelqu'un vous propose une végétomie, une invasion des végés, surtout. Il y a des insuffisances vélaires, à réfléchir dix fois avant de éventuellement la faire, et si on la fait, c'est avec le parasymonie. Quand on est dans l'ORL, quelle est la, c'est ce qui est une solution quand on a déjà posé, c'est une fois des tubes et qu'il y a une tombe, et quand il retombe, ça baisse en condition et qu'on a des causes, et si c'est pas. Alors chercher quand même un des facteurs aggravants comme une allergie par exemple qui peut favoriser les infections à la répétition. Un reflux aussi, un reflux de l'ostéoporose. J'imagine que si ça peut être un reflux qui favorise, ça peut être une allergie. Après, c'est vrai qu'on a certains enfants, on a pu chercher l'allergie, le reflux, et ça tombe. Même des enfants qu'on va forcer pour un certain nombre de cabinets. Il y a eu la pose de diabolo définitif, et là, on a eu la pose des graines. Alors, voilà, c'est la graine. Alors, en étant sur la graine de tympan, c'est bien, mais il faut être sûr qu'après, les épisodes otiques sont. Dans l'ordre, parce que le risque, c'est que le tympan reste repéré. Il faut être sûr, avant de faire une grève de tympan, que les phénomènes qui soient rentrés dans l'ordre. Oui, j'imagine.